supplémentaire accordé aux prétendants aux législatives de 2023 dans la province du Congo central, on fait le point dans ce journal. Kinshasa a-t-elle opéré une mutation pour rejoindre la liste des grandes et belles villes d'Afrique? À cette question, les regards sont tournés vers l'exécutif provincial. Quelles sont les réalisations palpables? Une matinée de projection de l'actif de Gentiny Ngobilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, a été organisée à Kinshasa. On y revient en images et commentaires dans ce journal. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Nous ne sommes qu'à 3 jours de la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la Francophonie et l'heure est aussi à la sensibilisation pour éviter toute mauvaise conduite adductive chez les jeunes. Un atelier de formation sur le civisme a été lancé par les ministres de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Yves Bunkuluzola, Serge Mata. Je vous demande de mieux suivre cette formation afin qu'à votre tour, vous puissiez être ces pèlerins qui accompagneront le jeune Congolais et que nous puissions avoir une jeunesse sans la drogue. C'est dans ces termes que Yves Bunkuluzola, ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, a procédé au lancement des travaux de l'atelier des formations des formateurs et sensibilisation des jeunes sur les conduites addictives et à risque. Cette session de formation s'articule autour du thème « Jeunes propres, sans drogue ». Question de permettre aux jeunes Africains en général et Congolais en particulier d'adopter des comportements responsables. Dans son allocution, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Bunkuluzola, a exprimé sa ferme détermination à apporter une touche particulière lors du déroulement des Jeux de la Francophonie édition 2023 à Kinshasa. La conduite addictive est une question qui taraude toute l'humanité. Voilà pourquoi, en République démocratique du Congo, le gouvernement de la République s'évertue à pouvoir accompagner la jeunesse, à travailler pour la formation et la promotion de la jeunesse. Bien avant, les représentants de la secrétaire générale de la conférence des ministres de la jeunesse et du sport, la francophonie, est revenu largement sur l'importance et les enjeux de cette présente session, parmi lesquels figure la lutte contre les antivaleurs. Au cours de cette session de lancement, les représentants de la secrétaire générale de la Confégès a également remis au ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, quelques documents indispensables aux travaux de cet atelier. Les programmes de développement local des 145 territoires dans son volet route incluent également les ouvrages des génies civils à l'image de ces ponts métalliques modernes et de l'office des routes qui a été inspecté par les directeurs des cabinets du Premier ministre Patsy Tondwangu Kizunda nous en dit un peu plus. Les sites de l'office des routes de la Gombe ou monter les ponts métalliques dans le cadre du programme de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo a reçu la visite ce mardi 25 juillet 2023 de Paul Gaspard Godakoy, directeur du cabinet du Premier ministre. L'émissaire du chef du gouvernement a constaté avec satisfaction l'arrivée d'un lot important des matériels devant servir au montage d'une centaine de ponts à déployer sur l'ensemble du territoire national. Sur place, un pont entièrement monté a été présenté à Paul Gaspard Godakoy. Vous savez que le gouvernement, dans le cadre de son programme approuvé par le Parlement, par l'Assemblée nationale, et plus spécialement dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, a commandé des ponts pour nos rivières à travers l'ensemble de la République. L'Office des routes, qui est l'exécutant du gouvernement en la matière, a signé un contrat avec une société française pour la construction des ponts métalliques. Aujourd'hui, ces choses faites, je suis venu me rendre compte de l'effectivité de ce programme. Il y a déjà tout un lot, un premier lot qui est arrivé, un deuxième va arriver et un troisième encore. Tout cela va être déployé sur l'ensemble du territoire national. Et chacun de nos territoires sera doté d'au moins un pont. C'est pour cette raison que vous voyez derrière moi les membres de la Fondation Ngondankoy qui sont venus également se rendre compte de l'existence d'un pont pour leur territoire et au moins. C'est pour cette raison-là qu'ils sont là avec moi. Il s'agit d'un programme important qui tient beaucoup à cœur le chef de l'État, mais aussi le chef du gouvernement. Le directeur général de l'Office des routes, Jeannot Kikangala, a salué cette visite qu'il qualifie d'encouragement. C'est une visite encourageante pour nous, parce que nous avons vu derrière lui le Premier ministre lui-même. Comme c'est écrit que qui a vu le Fils a vu le Père,
Nous, nous avons vu le Premier ministre derrière lui, nous avons vu tous les gouvernements derrière lui pour venir nous encourager par rapport à ce travail que nous faisons selon la vision initiée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait que l'ensemble de nos axes principaux à travers la République soient carrossables. Le déploiement sur terrain a déjà commencé. Le PDL 145T, dont ce volet infrastructure routière, poursuit son bonhomme de chemin. La traite des personnes, une grave violation de droits de l'homme. Les acteurs impliqués dans les cas de cette catégorie des êtres humains sont en formation à Kinshasa. Travaux organisés par la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, Chantal Yeloumoulop. D'autres précisions dans ces reportages signés Chimène Dondo et Grady Zaki. Disposer constamment à éradiquer le fléau qui cause beaucoup de tort à la société, à savoir la traite de personnes. Voilà même le but ultime à Kinshasa d'une formation des sensibilisateurs. C'est en prélude de la Journée internationale de la traite de personnes. Des assises organisées par la coordination en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes que coordonne Chantal Yeloumoulop, qui travaille sans un instant de répit en partenariat avec l'Organisation internationale de migration, l'OIM-ANSIG. Cependant, il sera question au cours de ces modules de formation à l'intention des acteurs impliqués de crever abcès sur de questions qui touchent à ces cas de traite de personnes. Nous allons dans quelques jours célébrer la Journée internationale de la lutte contre la traite des personnes en RDC. Voici ici l'occasion pour la coordination en charge de la lutte contre la traite des personnes en RDC, d'informer de manière plus intense la population congolaise, particulièrement quinoise, sur ce fléau qui cause beaucoup de tort à la société, à savoir la traite des personnes. Ces acteurs, une fois formés, vont être déployés sur les acteurs de Kinshasa en vue de se lancer dans la logique de prévention de ces fléaux en RDC. C'est dans les toutes dernières minutes que les bureaux de réception et traitement des candidatures ont été pris d'assaut par les candidats aux législatives 2023. Dans les Congo central, par exemple, la CENI a accordé un délai supplémentaire de 5 jours. Les explications dans ses commentaires signés Teti Sambadanei. Au lendemain de la fermeture définitive des bureaux de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale, place à la période légale d'ajout de retrait aux substitutions des dossiers dans les 171 bureaux que compte la CENI sur l'ensemble du pays. 5 jours suffiront pour cette opération, soit du 24 au 28 juillet 2023. Pendant cette période, un parti ou regroupement politique peut procéder au retrait ou à la substitution des candidatures de sa liste. Une période légale à ne pas considérer comme une nouvelle prolongation, car elle ne concerne que les partis et regroupements politiques. Dans la province du Congo central, une mission de la CENI séjourne dans la ville côtière de Mwanda pour superviser cette opération. La délégation s'est rendue ensuite à Kinza Mvuete, où se situe le BRTC au territoire de Sekibanza. Au BRTC de Boma, l'heure est également à l'ajout retrait et substitution des dossiers des candidats. Nous avons déjà 12 cas de dossiers d'ajout. Il y avait ceux qui ont déposé un seul siège, alors que si à Mwanda nous avons 2 sièges. Donc ils ont ce droit-là pendant cette période d'ajout, retrait, substitution de pouvoir compléter l'autre siège manquant. Dans la province du Kwilu, précisément au BRTC Kikwit, situé dans la ville du même nom, l'effectivité de cette opération est au rendez-vous. Retenez que les partis et regroupements politiques n'ont que 5 jours pour effectuer l'ajout, le retrait ou la substitution des dossiers des candidatures pour la députation nationale, soit du 24 au 28 juillet 2023. Ituri, sur le chemin de la paix, un processus porté d'un côté par l'administration militaire et de l'autre par la population, les gouverneurs militaires. Johnny Luboya Kanchama a appelé à un renforcement des relations entre civils et militaires pour finalement mettre fin à l'insécurité. Junior Selemani pour plus de précisions. Après avoir échangé ce week-end avec une forte délégation des Nations Unies à son cabinet de travail que l'autorité provinciale, le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, a engagé ses pas sur les artères de la ville de Bounia. Comme chaque samedi, le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny a pris la direction cette fois du lycée Tchem-Tchem, en passant par les bureaux du quartier Bankoko, avec ses sourires pleins d'espoir, marquant sa détermination à pacifier l'Ituri. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte,
personne ici ne voulait voir le gouverneur de l'Ituri passer sans aucun message. Ses compatriotes sortent de part et d'autre et envahissent le gouverneur en scandale de chants de gloire en sa faveur pour avoir non seulement magnifié l'Ituri, mais bien plus pour la stabilité de cette région. S'en donner à cet exercice sportif chaque samedi permet au gouverneur de l'Ituri d'entrer en contact direct avec sa population, avec son sourire habituel. Le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny tend sa main à cette population émerveillée et surprise de le voir marquer le pas sur cette terre itourienne. C'est sur l'axe de l'aéroport Mourongo que l'autorité provinciale a clôturé sa traditionnelle marche pédestre de chaque week-end. Ces différentes sorties physiques de l'autorité provinciale dans les artères de Bounia ont ponctué la consolidation des relations civilo-militaires. Rappelons que cette approche adoptée par le gouverneur militaire a recréé la confiance entre le gouverné et le gouvernant comme jamais auparavant dans l'histoire de cette province. Le Sud-Kivu, jadis grenier agricole de la République démocratique du Congo, est appelé à reprendre sa place, les FIDA, dans le cadre de ses projets de relance de l'agriculture, a initié un atelier à l'intention des acteurs importants de toutes les filières agricoles. On en parle dans ces reportages. Coup de chapeau à l'ITEA pour de réalisations concrètes qui boostent l'agriculture en République démocratique du Congo et en Afrique. Les propos sont du docteur Valentine Atanchou, directeur pays et représentant du Fonds international de développement agricole FIDA-RDC, République du Congo. À la tête d'une délégation, une mission qui cadre avec le partenariat ITEA-FIDA pour l'appui de la mise en œuvre d'un laboratoire de la production des semences ainsi que de l'accompagnement du plan d'affaires axé aux semences des maïs et aux semences des riz, une solution contre aflatoxine. Une note de satisfaction concerne les réalisations déjà matérialisées par ITEA dans les domaines de recherche, a précisé le docteur Valentine Atanchou après avoir visité les laboratoires de l'ITEA Kalambo. Pour la lutte contre les maladies d'aflatoxine, l'ITEA a construit une usine d'aflasaf avec l'appui du Picagel. D'abord, j'ai été très très marqué, impressionné par le grand travail qui est fait par l'ITEA. J'ai demandé à l'équipe de projet de se rapprocher de l'ITEA pour pouvoir les accompagner dans la mise en place d'un laboratoire de production de semences de pommes de terre qui sera basé au niveau du campus universitaire de l'Université catholique de Graben, dans le Nord Kivu. Avant la visite, le docteur Bamba Zunana, les représentants pays de l'ITEA, RDC, Burundi, Cameroun, a présenté brièvement à la délégation son institution qui pilote trois projets initiés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la transformation agricole, afin de matérialiser sa vision de voir la terre faire prendre sa revanche sur le sous-sol. À la recherche des horizons meilleurs et partenariats pour le développement de la province de la Mongala, le chef de l'exécutif provincial a rendu compte de sa dernière mission à l'extérieur à son entité administrative. D'autres précisions à travers ses reportages. À la quête de l'unité dans sa province, le gouverneur de la Mongala ne dort pas sur ses lauriers. C'est dans cette optique que César Limbayambangisa a organisé une séance de travail avec les chefs coutumiers du territoire de Bumba. Plusieurs questions étaient au centre de leurs échanges, entre autres celle de la cohésion provinciale. Édouard Aloua, président de chef coutumier de la Mongala, rappelle ici l'objectif principal de la rencontre de ce jour, tout en remerciant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée à César Limbayambangisa. Les autorités coutumières du territoire de Bumba ont aussi remercié avec toute vivacité et avec l'esprit de nos ancêtres, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance combien il a accordée
à notre gouverneur de province et nous allons le soutenir. Édouard Aloua invite les Mongalais et Mongalais à barrer la route à tous ceux qui font l'apologie de la division dans la Mongala. Une photo de famille entre le gouverneur César Limbaya et les autorités coutumières a sanctionné ces assises. Le vaste programme de développement local des 145 territoires dont les Bazouélés, les besoins sont immenses, surtout en termes d'infrastructures pour les villes nouvellement construites et provinces issues du démembrement. Le gouverneur du Bazouélé a procédé au lancement de ces programmes tels que nous décrit ces reportages. Développement local 145 territoires, une réalité effective dans la province du Bazouélé. La pose de la première pierre a été faite par le gouverneur de province. Nzanza Bomiti Jean-Robert a choisi le territoire de Bambessa pour lancer officiellement ses travaux tant attendus par la population. Cette vision chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été savamment saluée par l'autorité provinciale du Bazouélé devant une foule chauffée en blanc. La cérémonie de séjour, ici, au chef-lieu du territoire de Bambessa, est une volonté manifeste du président de la République à pouvoir apporter un changement à partir de nos milliers de vies au bénéfice de nos populations. Après les explications détaillées du coordonnateur du PNUD de PDL 145 territoires sur les travaux à réaliser, représentant de Safrica, cette entreprise qui construit les ouvrages PDL 145 territoires dans les Bazouélé, rassure que dès la semaine prochaine, les travaux commencent. À partir de la semaine prochaine, nous commençons les travaux. Au moment où nous parlons, nous sommes en train déjà de nous y atteler à Kisangani pour amener les matériaux ici dans le Bazouélé. Nous allons engager la population locale. De son côté, l'administrateur du territoire de Bambessa, Mme Segemoke Suzanne, a transmis les vifs remerciements à sa population, au gouverneur de la province du Bazouélé pour les choix opérés à son entité. On retiendra que la signature du protocole d'accord a été faite par les parties prenantes pour sanctionner cette cérémonie. Au-delà d'une simple formation, les femmes victimes de viols dans le Nord Kivu ont appris les mécanismes de résilience. C'était au cours d'une formation organisée à Butembo. Suivez cela en images et commentaires. Des centaines de femmes du territoire de Butembo se sont réunies pour militer au développement de leur territoire et à lutter contre toute forme de violence faite à la femme et à la jeune fille dans cette partie du pays. Cette mobilisation des femmes a occasionné un temps d'échange en vidéoconférence avec la ministre de la Culture et Arts, Katougou Catherine, fille du territoire, qui de son côté leur a promis de poursuivre son combat à défendre les intérêts de la femme et celui de la jeune fille dans ces coins du pays. Nous sommes tellement fatigués d'être dirigés par les hommes. Pour cette enveloppe, c'était pour soutenir notre fille, notre sœur. J'étais parmi ces femmes-là qui ont contribué de madame son excellence. Sinon, c'est plus rien. Il n'y a pas à dire que nous avons supporté tous les coups, mais nous avons essayé de montrer notre amour envers Madame Catherine. Une collecte de fonds pour soutenir les actions concrètes a été organisée au cours de cette manifestation. Et puis les femmes du Nord Kivu, plus précisément à Butembo, ont reçu des vivres et non-vivres, dont de la Fondation Panji. Au-delà de la prise en charge du traitement gratuit des cas de fistules aux survivantes des violences sexuelles, la Fondation Panji s'est livrée aux pratiques d'aide alimentaire aux déplacés internes. Ces femmes venues de Bunagana et de Rutshuru ont bénéficié d'un lot important de vivres et non-vivres de la part du docteur Mukwege. Ils sont en train de se réjouir de l'aide qu'ils ont, mais ils ont besoin de la paix pour qu'ils puissent rentrer chez eux, cultiver la terre. Au total, 3915 ménages ont reçu chacun un sac de riz, des semoules de maïs, les haricots, de l'huile de palme. Outre ces dons, ces femmes ont également réceptionné un kit de dignité composé des bandes hygiéniques, des seaux, savons, pagnes et autres biens. Les bénéficiaires ont remercié leurs bienfaiteurs. Les commissaires supérieurs principales, colonel Malo Samboma, les a exhortés à bien gérer ces dons. Mais nous allons demander aux responsables du camp, du site, de pouvoir aussi sensibiliser les gens pour la gestion rationnelle de la ration qu'ils vont recevoir. La communauté italienne, et cette communauté, nous ne pouvons que la remercier.
Et nous serons heureux de la scolarisation des enfants comme ils ont fait. La Fondation Ponzi, avec l'appui de la Conférence épiscopale d'Italie aux actions du prix Nobel de la paix, a promis de poursuivre la distribution des dons de cette partie du pays afin d'atteindre un plus grand nombre. Je le disais dans les titres, l'actif prend les pas sur les passifs. La ville de Kinshasa serait-elle sur la voie du développement? Pour répondre à cette question, les communicateurs de l'ACP ont organisé une journée de projection des réalisations du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentil Ngobilambaka. Suivez cela en images et commentaires. Les réalisations, une fois placées sur une balance, portent un démenti sanglant aux propos des détracteurs résumés. Des interventions à l'issue de la grande séance de présentation et projection des actions du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Ngobilambaka. Devant une assistance composée de toutes les catégories sociales, les communicateurs de l'Alliance des Congolais progressistes et ACP ont fait une présentation au bas mot magistral de l'actif en termes de construction des infrastructures des bases du social et autres du chef de l'exécutif provincial. Les Kinois doivent retenir ce qui suit. Gentil Ngobilambaka est un exécuteur qui a exécuté les bonnes œuvres au nom et pour le compte du chef de l'État. Notre souci était plus de montrer les réalisations et ce qui est différent d'un bilan. Ce que Gentil Ngobila est en train de faire, justement, c'est sous l'impulsion d'abord du chef de l'État et il est en train de matérialiser la vision du chef de l'État. Kinshasa, mégalopole de plus de 12 millions d'habitants, a plus que besoin des politiques publiques assises sur les bien-être collectifs. Pour y arriver, Gentil Ngobilambaka s'est fait la cheville ouvrière de la vision du chef de l'État dans la capitale, Kinshasa. Quelques autorités originaires du Congo central ont été récompensées pour leur apport dans les développements à l'échelle nationale. On en parle dans ces reportages. Plusieurs activités étaient organisées à l'Université Congo pour marquer les 33 ans d'existence de cet alma mater, la remise des diplômes d'honneur aux différents groupes de bénéficiaires ayant contribué et consacré leurs efforts à la création, l'essor et le développement de l'Université Congo. Parmi eux, les grands donateurs, les initiateurs, les anciennes autorités académiques, les professeurs pionniers et les agents de plus de 25 ans de service à l'UQA, ainsi que les anciens étudiants qui se sont distingués ou élevés en dignité. Explication du PCA Simon Bosokiampoutou, notable né Congo. La cérémonie de session, c'est une cérémonie de célébration de la communion entre toutes les actrices et acteurs qui ont consacré leurs efforts pour donner naissance à notre université, à assurer son développement, chacun à sa place et chacun à la mesure de ses moyens ou à la hauteur de ses sacrifices. Sur la liste des anciens étudiants ayant distingué, il y a le ministre des Droits humains Fabrice Puella, le gouverneur Guy Bandou, aussi Philippe Ngwala, coordonnateur du Fonds social de la République et autres. Quelques bénéficiaires expriment ici leur satisfaction. Monsieur Pastor Chindou est aussi un grand mécène, donc un entrepreneur social. Il a contribué à la construction de plusieurs infrastructures sociales dans notre pays. Il est à noter que l'Université Congo avait prévu la remise d'un diplôme honorius causa au patriarche Kindwelo. Après Kinshasa, vient le tour du Congo central. Le bus Transacadémia sont arrivés dans le Congo central. Un lot important de ces bus universitaires a été réceptionné par le gouverneur des provinces Guy Bandou Ndoungidis. Un reportage d'Eric Nzuziloya Mayawel. C'est un homme de vision. Félix Antoine Tshisekedi dit Tshilombo a relevé le défi du casse-tête lié à la mobilité des étudiants congolais. Il a commencé par doter Transacadémia des bus, dont la mission est de s'étendre sur les territoires nationaux. Cette vision du président de la République se matérialise encore aujourd'hui avec le déploiement des bus Transacadémia vers l'arrière-pays et le Congo central étant la province pilote à recevoir son premier lot de bus. C'était au cours d'une brève cérémonie mais pleine de signification à la place royale à Kinshasa-Gombe. Cérémonie présidée par le ministre des Transports et Voies de Communication, Marc Ekila. Aujourd'hui, au-delà de la remise des bus
à la province pilote du Congo central, nous sommes en train de célébrer une vision. Célébrer la vision du serviteur du peuple. Et il a déjà dit, le peuple d'abord. L'homme le plus heureux est le gouverneur du Congo central, Guy Bandundu-Ngidi. Bien évidemment, pour moi, c'est encore une occasion que de pouvoir adresser mes remerciements au chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous sommes contents que la province du Congo central puisse bénéficier de ce programme ambitieux qui est Transacadémia. Le staff des Transacadémia y était représenté par le président du conseil d'administration, Mpoi Barouani Trésor, et le directeur général, Georges Ongelo Danga, qui ont tous pris place à bord avec le gouverneur et les officiels congolais pour signer ainsi le départ du convoi vers Matadi. Bientôt, un port sec de l'Ogefrem sortira des terres à Kasumbalesa, province du Haut-Katanga. Un accord de coopération sur la construction de cet ouvrage a été signé entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Témoin de l'événement, Willy Atunakov Kapumba et Bobo Anan Mokonzi. Les difficultés rencontrées par les transporteurs sur l'axe Mbashi-Kasumbalesa, tronçon long de quelques 100 km dans leurs activités d'importation et d'exportation entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, en passant par la Zambie voisine, la modernisation des infrastructures routières et la nécessité de la migration des équipements du système analogique au système numérique, ainsi que la lenteur constatée dans les procédures d'obtention des permis de circulation et autres taxes dues au trafic commercial, tous ces épineux problèmes étaient au cœur des travaux d'une commission d'introspection ministérielle de transport mixte RDC-RSA, l'OGEFREM, qui a été représentée par son directeur général, William Kazumba Mayombo, ayant entre autres pour mission principale de suivre le mouvement du fret sur toute l'étendue de la RDC. Cette commission d'introspection ministérielle de transport mixte, créée à l'initiative de deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Cyril Ramaphosa, lors du 12e sommet de la 30e commission mixte RDC-RSA, a débouché sur la signature d'un accord de coopération portant sur les échanges d'expériences, des moyens logistiques et des ressources humaines entre les deux pays pour désengorger cette voie très fréquentée et qui connaît beaucoup d'accidents de circulation. Santé à présent, Kinshasa a accueilli une matinée scientifique de sensibilisation des magistrats et officiers des polices judiciaires sur l'application du protocole des Maputo. D'autres détails, c'est à travers ces reportages signés Jean-Pierre Ndolo Demazou. Le recours à l'avortement en RDC est autorisé et ce, de manière sécurisée, si seulement si la grossesse est issue d'un viol, d'un cas d'inceste ou lorsqu'elle menace la santé ou la vie de la mère. Telles sont les indications du protocole de Maputo, cet instrument juridique de protection des droits des femmes en Afrique auquel a adhéré la RDC. Les magistrats ainsi que les officiers de police judiciaire sont tenus de connaître et d'appliquer ces prescriptions. Voilà ce qui explique la tenue de cette matinée de sensibilisation. À la fin de cette matinée scientifique qui nous a permis d'échanger sur le prescrit du protocole de Maputo et en particulier l'article 14.2c. qui dépénalise l'avortement sécurisé. Après cet atelier, nous devons assurer la pérennisation des activités de la structure qu'on a mise en place. Nous allons continuer à sensibiliser nos collègues magistrats au niveau des parquets, des tribunaux, et nous allons commencer avec le district de Lukunga. La matière est importante vu l'ampleur des avortements à risque dans le pays. 13% de la mortalité maternelle est due aux avortements dans le monde. Mais dans notre pays, selon le Programme national de la santé de la reproduction, c'est plutôt 17% de la mortalité maternelle qui est due aux avortements. Et les avortements, c'est la deuxième parmi les cinq causes majeures de la mortalité maternelle dans notre pays. Cet atelier a été organisé avec l'appui de Marie Stopes International en marge du 20e anniversaire de l'adoption du protocole de Maputo par l'Union africaine. À présent, cette séance d'évaluation à l'issue de laquelle un dialogue a été sollicité avec le gouvernement par les syndicats représentatifs de la Direction générale des impôts DGI sur les assignations budgétaires, plus particulièrement le 1% réservé pour les primes des agents. D'autres précisions dans ces commentaires.
C'est le troisième appel consécutif des agences et travailleurs des régies financières pour la tenue effective du dialogue entre les banques syndicales et leur employeur qui est le gouvernement congolais. La Confédération démocratique du travail, CDT, syndicat majoritaire à la Direction générale des impôts, a exprimé ce lundi 24 juillet 2023 son impatience pour la convocation du dialogue entre le gouvernement de la République et les représentants des agences et travailleurs des régies financières. Selon le président du CDT, Guy Koukou Guédila, plusieurs tentatives de dialogue sollicitées auprès du gouvernement traîne encore. Ces derniers réclament auprès du gouvernement des arriérés de 1% et les primes de performance dues au dépassement dans la mobilisation des recettes conformément aux assignations budgétaires. À cette occasion, Guy Koukou Guédila a annoncé la tenue d'une assemblée générale le 26 juillet prochain, non pas pour consultation, mais aussi pour décider sur les perspectives à venir. Nous allons demander le point de vue des agents qui nous ont mandatés, parce que nous avons le devoir de redevabilité. Nous devons rendre compte de l'issue de ces négociations. Et à l'issue de cette Assemblée générale, la CDT va décider avec les agents ce qui convient à faire. Pour rappel, l'appel au dialogue entre banques syndicales et le gouvernement de la République est une voie par excellence qui rassure tout le monde. Direction la province du Kasaï, précisément au chef-lieu des provinces, Tshikapa, pour évoquer cette marche de soutien aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les actions de développement du Congo, AADC en sigle Fédération du Kasaï Tshikapa, a organisé une marche de santé et visibilité qui s'est vite transformée en marche de soutien à l'Union sacrée et à son autorité morale, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La marche est partie du centre-ville de Tshikapa en passant par les nouveaux ponts au rond-point 3Z à Kélé jusqu'à Kibumba au rond-point Saint-André. Annie Tchabou, Mbujimayi Kananga, présidente fédérale de l'AADC Kasaï et candidate à la députation nationale pour Tshikapaville, était en tête de cette foule nombreuse qui ne jure que sur la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023. Je vous dis merci d'avoir répondu à mon appel. Au départ, c'était une simple marche de santé, mais vous avez démontré que l'AADC est une force politique. Soyez tous prêts pour les combats de décembre 2023. Et je vous rassure que le deuxième mandat du président Tshisekedi n'est plus une promesse, mais une réalité déjà acquise. Ne vous laissez pas tromper par les vendeurs d'illusions. Le président Tshisekedi est une véritable bénédiction divine pour la RDC. Fati Béton. Rappelons que l'AADC Kasaï se conforme à l'idéologie de la présidente nationale et autorité morale du parti, Adèle Kabéna Mahoké. Un communiqué de presse avant de boucler complètement ce journal, la Société nationale d'électricité, SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que suite au déficit de production généré par l'indisponibilité de certains groupes de la centrale hydroélectrique Dinga 2, la fourniture de l'énergie électrique est perturbée dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. SNEL SA rassure la clientèle concernée que ces équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour la normalisation de la situation et leur présente ses excuses pour ces désagréments faits à Kinshasa le 24 juillet 2023. Ces communiqués portent la signature du département. C'est la fin de ce journal rédigé par Cédric Eninambo et Nerio Lemo. Anita Luambo revient à 20h pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous.